Il s'appelle Art en mouvement, recherche actuelle en ciné-danse. Il est en bilingue, je crois, ce livre. Voilà, on va le rentrer bientôt au centre de documentation de la place de la danse. Donc, avant de donner la parole à Marisa, donc, qui va nous parler de la danse à l'écran, peut-être qu'on peut commencer à redéfinir un peu le champ de ce vaste sujet, parce que ça évoque autant la comédie musicale, le clip, la vidéo danse, mais aussi la caméra somatique, peut-être qu'on peut définir. Voilà, c'est un terme qu'on peut aussi voir passer. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de la vidéodanse, de la captation vidéo, des films de danse. Qu'est-ce que j'entends par ces termes? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui mélangent ces termes sans vraiment distinguer ce qui est singulier dans chaque classification, dans chaque genre ou sous-genre. Donc, je vais parler ce soir. Bah, d'abord, je vais faire un peu catalogue pour distinguer toutes ces formes de création de danse à l'écran. Et puis après, on peut discuter le fait qu'aujourd'hui, ces frontières, son pouvoir, sont souvent en mouvement, sont poreuses aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je suis surtout spécialiste de la vidéodanse. Et ce que j'entends par la vidéodanse, c'est les créations chorégraphiques qui ont été créées spécifiquement pour l'écran, mais en collaboration avec les outils audiovisuels. La caméra, bien sûr, les logiciels de montage. Aujourd'hui, on peut parler aussi de nouvelles technologies comme le motion capture, par exemple. Donc là, c'est vraiment une danse qui existe uniquement à l'écran. C'est quelque chose qui ne peut pas sortir de l'écran sur le plateau live parce que c'est tellement lié aux outils de création audiovisuelle qu'il y a une vraie pas des deux, une vraie collaboration entre ces outils technologiques et la chorégraphie, la danse qu'on voit à l'écran. Donc, moi, je vais revenir sur cette définition un peu plus tard, mais pour commencer, je pense que je vais d'abord couvrir un petit peu ce panorama de genre de danse qu'on voit régulièrement à l'écran. Est-ce que je me lance ou... Oui, je t'en prie. Parce que c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de danse à l'écran, notamment à cause de la crise sanitaire. Et parfois, c'est un peu délicat, parce qu'il y a des artistes qui ont eu le sentiment d'être obligés de passer à l'écran durant la crise. Et c'était très difficile, parce qu'il y a des gens qui créaient normalement pour le plateau et qui n'avaient aucune envie de créer des vidéos, de passer à l'ordinateur, etc. Mais c'était frustrant aussi pour des artistes qui travaillent avec les outils de vidéo danse, etc., depuis un moment et qui valorisent ce travail et qui ont vu la frustration du public ainsi que d'autres artistes pour tout ce qui est passé à l'écran. Donc, c'est important, encore une fois, de distinguer les créations conçues pour l'écran et non pas les adaptations. On n'est pas dans une dynamique d'être forcé d'adapter quelque chose à l'écran. Et il faut souligner aussi qu'il y a des créations vidéo danse qui ne sont pas forcément prêts pour être projetés sur Internet, comme on a fait pendant la crise sanitaire. Il y a des projets qui sont conçus pour exister dans une salle de cinéma ou dans un format d'installation dans un musée. Voilà. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions depuis une vingtaine d'années. En fait, comme vous entendez, j'ai grandi aux États-Unis où j'ai étudié la danse contemporaine, notamment la technique de Merce Cunningham. Et en fait, Merce Cunningham, grand chorégraphe du XXe siècle qui est décédé en 2009, a beaucoup travaillé avec la vidéodanse. Il a commencé pendant les années 60 à collaborer avec les artistes en art vidéo. Je vous rappelle que pendant les années 60-70, on commence à reconnaître l'art vidéo comme genre de création. C'est le moment où les caméras vidéo sortent sur le marché, donc tout le monde a accès plus facilement aux caméras vidéo. Même s'il y a des petites caméras de cinéma, c'est plus onéreux parce que, voilà, pour faire développer la pellicule, ce n'est pas donné, ce n'est pas évident pour les chorégraphes de pouvoir travailler avec le cinéma. Mais avec le matériel vidéo analogue, ça commence à être un peu plus simple, un peu plus accessible. Donc, il y a des chorégraphes, tels Merce Cunningham, qui commencent à s'intéresser au processus de composition. Comment ça change avec une caméra de vidéo danse? Comment ça peut évoluer avec ces outils audiovisuels?
Mais encore une fois, je vais revenir sur cette question de création vidéo danse. Je pense que c'est très utile peut-être de commencer avec une petite panorama de tout type de création à l'écran. On peut penser à une définition négative, par exemple, de la vidéo danse, ce que la vidéo danse aujourd'hui n'est pas. Par exemple, on peut commencer en parlant des captations. Et j'ai une question parce que je souhaiterais vraiment que ça devienne quelque chose d'interactif. Donc n'hésitez pas à poser des questions et moi aussi, je vais vous poser des questions. Et j'espère que vous n'allez pas hésiter à partager vos réflexions. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je souhaiterais que ce soit interactif, mais dans une réflexion collective. Voilà, donc n'hésitez pas. Je voulais savoir d'abord, selon vous, que vous soyez spectateur ou artiste chorégraphique, quand vous avez vu des captations ou quand vous avez peut-être filmé des captations, quels sont les aspects problématiques des captations que vous avez remarquées? Est-ce qu'il y a des problématiques quand on filme une captation pour un spectacle de danse? Parce qu'on est bien d'accord, une captation, c'est surtout un enregistrement d'un projet ou d'un spectacle live. Il y a peut-être déjà la problématique, enfin, déjà la question du choix. Est-ce qu'on le filme en frontal pour avoir l'ensemble ou comment est-ce qu'on met l'accent sur des détails? Du coup, on va rater peut-être la vue d'ensemble, donc ça devient subjectif parce qu'une autre personne ne porterait peut-être pas son regard sur ça au même moment. Et en fait, les captations que tu as l'habitude de voir, est-ce que tu vois qu'il y avait vraiment un choix effectué en termes de plan de la caméra, etc. Ou est-ce qu'il y a certaines tendances que tu as remarquées? Alors, en général, quand c'est des captations, là je parle peut-être des captations d'artistes qui nous envoient des vidéos qu'on ne peut pas voir, par exemple, c'est quand même plus du frontal pour avoir la vue d'ensemble, parce que sinon ça devient quelque chose de plus objectif. Tout à fait, oui. Est-ce que c'est votre expérience aussi? Vous avez l'habitude de regarder les captations? Oui, non? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu accès aux captations. Mais aujourd'hui, on peut en voir pas mal sur le site Numéridance, par exemple. Il y a quand même une très très bonne archive sur le site de numéridance.tv. Mais en fait, oui, effectivement, avec les captations, c'est souvent très frontal parce qu'on veut capter le spectacle entier. Donc souvent, on a le sentiment qu'il y a un petit peu de trahison si on bouge trop la caméra. Mais le souci, c'est que avec une caméra vidéo, on perd un peu la dynamique du spectacle. Et c'est souvent très frustrant pour les chorégraphes parce que finalement, toute l'énergie, tout le rythme du spectacle ne se transmet pas avec la captation. Même si la captation, l'idée souvent, c'est de rester fidèle, de voir les corps entiers. Et ça, c'est important pour les archives aussi, parce que si on utilise les archives pour apprendre la chorégraphie, pour remonter une reprise d'un spectacle, c'est normal, on a besoin de ces informations. En même temps, on peut poser la question, est-ce que c'est vraiment une représentation fidèle du spectacle quand on perd ce côté d'énergie? Il y a un exercice qu'on fait normalement dans les cours d'initiation à la vidéodanse. On plante une caméra quelque part et on demande aux danseurs de traverser le studio en courant aussi rapidement que possible. Et on le fait sur une ligne horizontale. Et on fait très rapidement et on voit que si la caméra reste placée au centre sans bouger, que même si le danseur donne beaucoup d'énergie, c'est très rapide, en fait, ça ne se transmet pas avec l'enregistrement. Ce n'est pas la sensation qu'on a en tant que spectateur. Ça devient très plat. Voilà, parce qu'on n'est plus en 3D. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un écran. Par contre, il y a des stratégies, en fait, pour transmettre ces ambiances, ces énergies, ces dynamiques associées à une chorégraphie. Donc, une des stratégies, par exemple, qu'on montre avec le même exercice, c'est de planter la caméra au diagonale, de demander aux danseurs de courir sur le diagonale et de passer, de courir juste après la caméra. Et tout à coup, on a un sentiment d'énergie, parce que justement, on voit le danseur qui traverse le studio, qui passe
la caméra. Donc, c'est un très gros plan, en fait, si le danseur traverse la caméra. Et là, il y a vraiment un sentiment d'énergie. Donc aujourd'hui, avec la croissance de création vidéo danse, les créations spécifiques pour l'écran, on voit qu'il y a certains éléments de la création vidéo danse, notamment la variation des plans, les angles de la caméra, etc., qui entrent dans le domaine de la captation pour être un peu plus fidèles aux énergies, aux dynamiques d'un spectacle, même si on peut bien sûr parler de ce qu'on perd aussi, parce que si on ne veut pas filmer le corps en entier, il y a certaines parties du corps qui disparaissent, et ça, c'est une discussion qu'il faut vraiment préparer en amont avec les artistes chorégraphiques pour vérifier qu'on ne coupe pas quelque chose d'important. Je ne dis pas que tout n'est pas important, mais on doit faire ses choix. C'est un dialogue entre les mouvements de la caméra et les mouvements de la chorégraphie elle-même sur le plateau. Mais dans ce sens, on peut peut-être mieux transmettre certaines intentions artistiques. Et ça, c'est très important. Et je vais vous montrer juste un petit teaser. Et je vais vous demander de me parler un petit peu de comment cette captation est filmée. Même si c'est juste un teaser, on voit bien la façon qu'on a filmé cette captation. C'est le teaser international de Roméo et Juliette de l'Opéra de Paris qui a été diffusé dans les cinémas. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment avait-il filmé cette captation? On vient de parler du fait que les captations sont souvent frontales, que la caméra ne se déplace pas. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est ça. En fait, on a un ensemble de plans de la caméra. Donc, on capte certains détails et on a des distances différentes même. Même avec le corps en entier, on a des distances variées. Parfois, on est au fond de la salle, parfois, on est plus près de la scène. Et puis, parfois, on a des gros plans sur certaines parties du corps et notamment certains éléments du récit narratif qui sont importants à capter pour comprendre qu'il s'agit bien de l'histoire de Roméo et Juliette. Et en fait, c'est parce que l'opéra a les moyens pour poser plusieurs caméras. Non seulement ce sont des captations de très bonne qualité, techniquement parlant, mais on a 4 caméras placées aux différents endroits dans l'opéra. Donc c'est ça la différence. Bien sûr, pour les petites compagnies, pour les autres chorégraphes, ça peut être très difficile d'avoir d'abord les caméras de cette qualité, mais aussi d'avoir 4 personnes pour filmer au même moment, ou même de faire plusieurs reprises, parce que c'est une question de temps, de moyens, etc. Voilà. Et je voulais juste revenir un petit peu sur les captations, parce que souvent on parle du fait que ces captations ne sont pas du tout satisfaisantes. Et je comprends tout à fait du point de vue artistique. Mais je voulais vous parler d'un autre aspect des captations. C'est un peu anecdotique, mais en tant que quelqu'un, quand j'ai commencé de faire mes études en danse toute petite, je vivais dans une petite ville, sans accès aux grandes salles de spectacle, sans accès aux grandes compagnies de danse. Et pour moi, à l'époque, à la bibliothèque, c'était les VHS. Maintenant, c'est les DVD ou les téléchargements sur Internet. Mais pour moi, c'était vraiment un accès essentiel pour me sensibiliser à la danse, pour connaître d'autres compagnies internationales, de me plonger dans l'histoire de la danse. Donc, il y a un côté de sensibilisation qui est très important. Et il faut continuer à insister sur la réflexion comment on peut mieux servir les artistes chorégraphiques
au travers les captations pour vraiment pouvoir donner accès aux personnes qui n'ont pas forcément, qui ne vont pas forcément venir en salle de spectacle. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu pendant la crise sanitaire. S'il y a peut-être une bonne chose qui est sortie de cette période compliquée, c'est le fait qu'il y avait énormément de compagnies de danse ou les opéras du monde, etc., qui ont mis à disposition certains vidéos, certains films en ligne pour qu'un public qui ne soit jamais venu au théâtre, dans une salle de spectacle, de pouvoir accéder à leur première captation, leur première sensibilisation à la danse. Donc c'est très très important de vraiment encourager cette réflexion, de continuer à développer des outils, de diffuser et de réfléchir sur la captation qui représente mieux les projets chorégraphiques. Je vais vous montrer quelques images là et je voulais vous demander si vous reconnaissez certains titres du cinéma et si vous ne connaissez pas les titres, peut-être vous reconnaissez des genres cinématographiques. N'hésitez pas si vous voyez quelque chose. Oui, mais... Tout à fait, c'est Pina de Wim Wenders. Et pour vous, quel est le genre de ce film ? Oui, voilà. Généralement, on dit que c'est un documentaire. Mais pour moi, c'est un documentaire singulier parce que ça mélange plusieurs approches de la danse à l'écran. Et je vais revenir sur ce film plus tard. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres images que vous reconnaissez ? Oui, Busby Berkeley, voilà, avec les comédies musicales. D'abord avec les séquences dansées tournées par Busby Berkeley, et puis par la suite, il est devenu directeur des films entiers. Au début, quand il a commencé, ce n'était que pour les séquences dansées, et puis il a commencé à tourner les films, même les parties narratives. Voilà, le Pulp Fiction. Oui, voilà. On a Pulp Fiction de Tarantino, donc on voit bien Uma Thurman et... oh, je vais oublier son nom. Oui, John Travolta, merci. Comment je peux oublier cette grande figure de la danse ? Est-ce que vous reconnaissez d'autres genres sur cette image-là ? Même si vous ne connaissez pas les titres ou les films en particulier. Voilà, voilà, on voit Monsoon Wedding ou Mariage Monsoon en bas, un genre de Bollywood, effectivement. Donc c'est un peu les comédies musicales indiennes avec une longue tradition de séquences dansées au cinéma à partir des années 40. Il y a un très grand film à gauche, en haut. Est-ce que vous reconnaissez ? Les chaussons rouges, oui, 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 tout à fait. C'est un film de Paul et Pressburger de 1948. Et en fait, dans ce film, on a le premier séquence dansée d'une ballet classique qui a été conçue spécialement pour ce film. Ça dure 22 minutes, donc c'est quand même une longue séquence très importante dans le film qui nous fait sortir du narratif classique pour proposer une chorégraphie pour l'écran. Donc c'est un peu la constellation dont je parlais tout à l'heure. On a déjà abordé la question du captation ou spectacle filmé qui servent à la fois en tant qu'archive pour la danse, mais aussi pour les questions de diffusion, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets des opéras du monde, le Bolshoï, l'Opéra de Paris, le New York City Ballet, qui diffusent leurs spectacles dans les salles du cinéma. Il y a aussi les documentaires. On vient d'évoquer Pina de Wim Wenders, qui parle de la vie de Pina Bausch avec sa compagnie Tanztheaterwuppertal. Et puis, on vient d'aborder un petit peu les comédies musicales, Bollywood. Et en fait, il y avait une autre image qui vient de l'opéra chinois, ou plus précisément l'opéra Huangmei. C'est un genre d'opéra chinois qui vient d'une région en particulier. Il y en a pas mal, on parle de l'opéra de Pékin, etc. Donc ça, c'est un genre populaire des années 60-70, notamment à Hong Kong, qui s'appelle l'opéra Huangmei. Et en fait, c'est un genre de cinéma à part. Mais si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des comédies musicales en chinois, en cantonais plus précisément.
Donc on va revenir sur les documentaires rapidement. On a parlé de Pina, et Pina a mélangé plusieurs approches, parce qu'on est vraiment dans la transmission d'informations avec les documentaires, je pense qu'on est tous d'accord, mais en fait la façon dont on transmet les informations varie énormément d'un documentaire à un autre. Donc pour Pina, on a un mélange d'entretiens, des films d'archives, des nouvelles captations qui ont été faites exprès pour ce film, ainsi que ce que j'appelle les moments vidéodanses. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, mais il y a les parties, les petits portraits dansants des membres de la compagnie qui ont chacun choisi un lieu dans la ville de Wuppertal, et ils ont choisi ce lieu in situ. Ils ont dansé un morceau de chorégraphie pour la caméra de Wim Wenders, et là on a quelque chose qui a été conçu spécialement pour le film. Ce n'est pas une captation d'une chorégraphie préexistante pour le plateau. On n'est plus dans la transmission des informations, des entretiens, des souvenirs de Pina, mais vraiment quelque chose qui se transmet par le corps. Bien sûr, on peut parler de la mémoire du corps. Donc, quand je dis ce ne sont pas les souvenirs, ce que je veux dire, c'est, ce ne sont pas les souvenirs racontés à l'oral, comme on a fait avec les entretiens. Donc pour moi, c'est un documentaire très hybride qui s'appuie sur la création vidéodance et ce qu'on peut communiquer avec la vidéodance. Mais on va élaborer sur ce point-là un peu plus tard. Juste pour point de comparaison, je voulais parler d'un grand documentariste qui s'appelle Frederick Wiseman, qui a réalisé plusieurs films sur la danse. Le plus récent, c'est La danse sur l'Opéra de Paris. Oh non, pardon, c'est Crazy Horse, où il met en scène en fait la création d'un spectacle de Philippe Découfflé à la revue Crazy Horse. Et il a également tourné un film à l'Opéra de Paris. Et puis, pendant les années 90, il a également tourné un documentaire à une grande compagnie new-yorkaise, American Ballet Theatre. Mais ce qui est singulier chez Frederick Wiseman, c'est qu'il n'intervient pas hors le fait de mettre sa caméra. Ça tourne, il ne pose pas de questions, il n'y a pas d'entretien, il n'y a même pas les noms des danseurs affichés à l'écran. Et souvent, on entre dans la vie d'une compagnie de danse, on assiste aux réunions, on assiste aux répétitions, on voit les spectacles, mais il n'y a jamais d'informations affichées, donc il faut trouver ses repères tout seul, et il faut vivre ces instants dans la vie quotidienne d'une compagnie de point de vue économique, administrative, dansante, sans intervention de la part de quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Donc ça laisse les danseurs raconter leur vie, tant qu'il y a aussi les administrateurs qu'on voit vivre voilà, leurs tâches quotidiennes, mais il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'image d'archives, donc c'est une approche très très différente de celle de Pina, qui mélange plusieurs façons de rendre hommage à Pina Bausch. Donc, je ne suis pas là pour vous convaincre que le cinéma vérité existe. Ça, c'est un vrai débat cinématographique. Mais pour Frederick Wiseman, son approche, c'est le cinéma vérité. Voilà. Donc, on a vraiment des variations en termes de création documentaire. Et puis, bien sûr, quand je parle de la vidéodance, souvent, les gens me parlent des comédies musicales, parce que ce sont les films qui sont très connus, très populaires, et qui contiennent des séquences dansantes très intéressantes. Parce que justement, on a des danseurs comme Gene Kelly qui ont commencé à tourner les séquences dansées ou les films eux-mêmes. Donc ça veut dire que ces personnes, ces danseurs-là, savaient en fait que danser pour la caméra, c'est différent que danser sur le plateau. Donc Gene Kelly souhaitait, par exemple, développer des stratégies pour chorégraphier pour la caméra, pour mieux représenter les danses de ces films. Et en général, avec les comédies musicales, on a deux styles de comédies musicales. On a les films de fiction narrative, et puis on a les films, on dit souvent les comédies musicales de coulisses, parce que ce sont des films où on témoigne de la création d'un spectacle, on voit toute la distribution, les interprètes, mais les techniciens aussi préparent un spectacle, et ça permet aussi de donner un fond pour mettre en image les scènes chorégraphiques
qui sont conçus spécialement pour l'écran. Et on va voir tout de suite avec un petit clip de Busby Berkeley, ce qui est singulier dans sa façon de filmer. Voilà, donc nous venons de regarder By a Waterfall à côté d'une cascade. C'est une séquence tirée du film Footlight Parade de 1931. Et qu'est-ce que vous avez vu qui est assez remarquable? Pensons plutôt par rapport à ce qu'on peut faire dans un film qui n'est pas forcément possible sur le plateau. Oui. Tout à fait, oui, c'est ce qu'on appelle une plongée. Et dans le cinéma, c'est Busby Berkeley qui a été très très connu pour ses plongées magnifiques. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois le chorégraphe et le réalisateur, qui n'est pas forcément toujours le cas avec tous les projets de danse à l'écran. Mais je pense que tout de suite, je mentionne cela parce que tout de suite, on voit qu'il y a une question qui revient régulièrement dans le domaine de la vidéodance et c'est qui est l'auteur ou qui est le réalisateur quand il s'agit de la chorégraphie, mais aussi la mise en image de cette chorégraphie. Et on peut imaginer, par exemple, si Busby Berkeley avait chorégraphié cette séquence, mais ce n'était pas lui qui l'a mise en image, on voit qu'avec la plongée, notre perception de cette danse est totalement différente de ce qu'on verrait, par exemple, s'ils avaient filmé un plan large, par exemple, en face. Ça change totalement le regard par rapport au choix de plan de la caméra. Et cette plongée est vraiment passionnante. C'est quelque chose qu'il a développé spécialement. Il a toujours construit ses propres équipements. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas une formation traditionnelle en danse. C'est quelqu'un qui était dans le militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était lui chargé de la composition des parades. Donc il avait l'habitude de travailler avec les grands groupes et c'est pour ça qu'il a tellement réussi à l'époque de travailler avec énormément de girls, comme on a dit, dans ses comédies musicales.
Donc, bien sûr, je pense que vous avez vu des films narratifs autour de la danse. Est-ce qu'il y a certains qui viennent tout de suite à l'esprit? Est-ce que vous pouvez crier un titre si vous vous souvenez d'un film autour de la danse? Oui, Billy Elliot. Ouais, c'est un bon exemple. Là, j'ai mis deux qui sont assez connus et qui traitent de la danse classique aussi, mais qui datent de périodes très différentes. On revient aux chaussons rouges, là. Et puis, il y a aussi Black Swan de Aronofsky en 2010. Mais c'est intéressant que souvent, ces films sur la danse, ces films narratifs, traitent le côté un peu horrifique, fantastique de la danse. On parle souvent de la souffrance de la danseuse, notamment la ballerine. On est presque exclusivement axé sur la danse classique, la souffrance de la technique, mais aussi la psychologie de ce métier, encore une fois pour la ballerine, même si Billy Elliot, c'est une exception, parce qu'effectivement, ça nous permet aussi d'aborder la question du genre, les garçons qui souhaitent étudier la danse classique. Voilà, donc ce sont deux grands exemples, mais peut-être encore plus communs, ce sont les séquences dansées au sein du cinéma de fiction. Donc là, je ne parle pas des comédies musicales avec du chant, on sait qu'il y aura normalement de la danse aussi, mais les films de fiction qui n'ont pas forcément un lien évident avec la danse, et puis on regarde une histoire, et puis tout à coup, il y a une séquence dansée. Est-ce qu'il y a un instant comme ça que vous pouvez partager dans un film que vous avez vu, un film de fiction? Ah oui, le nouveau, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans la séquence dansée? Et c'est festive. Oui. Très bien. D'autres exemples qui vous venaient à l'esprit? Il y en a pas mal. Bah, parfois, ce n'est pas évident. Et puis, on réfléchit et on se dit, ah oui, il y avait cette scène de mariage, tout le monde danse, une scène dans une boîte nuit. Oui, exactement. Très bien, Pulp Fiction. Oui, dans Joker, oui, c'est un très bon exemple. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ces séquences dansées créent en quelque sorte une mutation temporelle au sein d'un récit narratif, parce que ça rompt vraiment avec l'histoire. Souvent, pour nous poser une scène de rêve, ça devient souvent très onérique. Parfois, on est drogué. Il y a aussi les flashbacks qui sont assez oniriques aussi, les souvenirs. Donc, ce sont les deux exemples que je vous montre ici, parce que là, en fait, dans le Big Lebowski, on a un hommage aux comédies musicales de Busby Berkeley avec cette scène-là. Mais en fait, au début, il est avec son verre, il est un peu drogué, et il a cette fantaisie avec Julianne Moore. Et en fait, c'est un bowling, mais avec les danseuses dans le style de Busby Berkeley. Donc c'est totalement quelque chose de fantastique, même pour ce film-là, qui n'est pas un film très réaliste, mais ça nous fait sortir du récit narratif pour exprimer quelque chose d'autre, quelque chose en lien avec les rêves, avec les fantaisies. Et c'est, d'une façon différente, c'est le même cas pour le film à droite, Zatoichi, de Takeshi Kitano, en 2003. En fait, on voit une danseuse traditionnelle à l'écran. L'image en haut, en fait, c'est elle dans le présent du film. Et en fait, elle danse une danse traditionnelle. Elle se souvient de l'apprentissage de cette danse. Donc, en fait, la scène est coupée entièrement par les flashbacks, les souvenirs de son apprentissage de jeunesse. Donc, on voit la même danse, mais coupée plusieurs fois par les deux danseuses, la jeune et la plus âgée, qui se souvient de cette danse. Et là, on a une représentation visuelle de la mémoire du corps qui est très fort dans cette scène, mais c'est quand même onirique parce que ça représente quelque chose de son intériorité. Et justement, c'est là, en fait, ces scènes de danse nous plongent souvent dans un monde intérieur. Il y a aussi les scènes de fête. On a évoqué les scènes où tout le monde est assez joyeux. C'est une façon de faire corps ensemble, de faire un corps commun.
de vraiment exprimer la joie, l'extase. Donc, encore une fois, c'est une forme d'intériorité qui ne s'exprime plus par les dialogues classiques dans les films de fiction. On a aussi les moments érotiques. L'érotisme s'exprime à travers la danse. Même dans les scènes où on voit du monde, souvent la danse n'est concentrée que sur deux individus avec une attraction réciproque. Et c'est encore une fois comme une mutation temporelle parce que c'est comme si le temps était suspendu et on est vraiment concentré sur les deux personnes et leur attraction réciproque. Voilà. Il y a un autre type de scène que je voulais évoquer rapidement, même si je ne suis pas sûre que ce soit un sous-genre. Je n'ai pas trop d'exemples, mais peut-être vous allez me donner d'autres. Mais j'aime bien parler de cette scène de Reservoir Dogs, Tarantino. Et en fait, cette scène, c'est assez violente, c'est horrible, mais il y a aussi une danse très légère. Et en fait, on a ces deux pôles, en fait. On a la violence, la torture de quelqu'un avec un corps totalement subi à la souffrance. Et puis de l'autre côté, on a la personne qui effectue cet acte et qui danse, une danse très légère, très joyeuse. Et on a en fait cet espace de liberté représenté par la danse. Parce que finalement, avec tous ces exemples très, très variés, on a cette notion de liberté avec de la danse. La liberté de rêver, de fantasiser quelque chose, la liberté d'être avec quelqu'un d'autre, d'être amoureux, d'être érotique, la liberté de pratiquer de la violence, la liberté de sortir de cette violence. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples des scènes violentes qui contiennent de la danse dans les films narratifs, mais je suis preneuse si vous avez des exemples. Ça, c'est une question de recherche pour moi actuellement. Voilà, donc je vais continuer à me plonger dans divers films. Voilà, et juste pour revenir sur cette notion de liberté et des scènes très oniriques, en fait, on trouve la même chose dans les séquences dansées, dans les comédies musicales. Donc, même s'il n'y a pas du chant dans les cinémas de fiction, il y a beaucoup de similarités entre cette utilisation de mutations temporelles et du côté onirique. Donc avec toutes ces explorations de genres différents de danse à l'écran, on peut poser la question à quand remonte la danse à l'écran? Et c'est une question très importante pour les chercheurs en vidéodance aussi, qui débattent toujours le sujet de la définition de ce qui est la vidéodance. Donc pour certains, ça commence avec l'invention du cinéma en 1995, mais pour d'autres personnes, ça remonte un peu plus tôt. Parce qu'on a cette période à la fin du 19e siècle avec une exploration passionnante de la représentation du mouvement et du temps à l'image. Mais là, je parle des photographies. Mais à ce moment-là, il y a une création énorme de dispositifs. Donc, on ne peut pas parler des photographies classiques, mais plutôt des dispositifs qui exposent les photos différemment ou nous permettent de réaliser différentes techniques photographiques. Par exemple, on a la chronophotographie développée par Étienne Jules Marais. Et on voit sur l'image à gauche, on voit la représentation d'un geste sur la même image, mais on a plusieurs temporalités. On a le déroulement d'un geste, mais tous ces instants partagés sur la même photo. Et à droite, on a un projet un peu similaire qui s'appelle les Motion Studies, les études de mouvement, réalisées par Edward Muybridge au même moment, à la fin du 19e siècle. Et là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à l'art séquentiel, avec ces lignes de gestes qui se déroulent. C'est un peu comme une bande dessinée où on voit vraiment comment ça évolue d'une case à l'autre. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont encore un peu plus loin avec les lanternes magiques, parce qu'il y a les thématiques de danse liées aux lanternes magiques aussi. On a le kinétoscope qui précède la projection cinéma, la première en 1895. Le kinétoscope, c'est un peu comme une télévision. C'est une boîte
il faut regarder dedans, donc c'est pour une personne. C'est ça la différence entre le cinéma, une expérience collective, et le kinétoscope, qui est une petite boîte qui peut être visionnée par une personne à la fois. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à un petit écran de télévision où on voit les images en mouvement, un film. Donc Edison, par exemple, avait développé le kinétoscope aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et on voit certains des films qui sont projetés à l'intérieur, qui sont les films de danse. On va même voir, quand on regarde les danses serpentines, qu'il y avait des danses serpentines réalisées par le kinétoscope. Donc on voit que la danse à l'écran évolue aussi avec la technologie. Et on va revenir sur cet aspect-là parce que c'est très important pour marquer l'esthétique, la création, l'accès et la diffusion de la danse à l'écran. Ah, et je voulais juste mentionner que pour certaines personnes, il y a même un argument que le théâtre d'ombre, qui est une des formes de théâtre le plus ancienne, que là aussi, on a une espèce de danse à l'écran, une chorégraphie pour les marionnettes derrière un écran avec la projection de la lumière, etc. Donc j'avais déjà noté qu'il y avait la naissance du cinéma à la fin du 19e siècle, et tout de suite on voit qu'il y a un rapport étroit avec la danse. Certains des premiers films sont les films de danse, notamment les danses serpentines. Donc les danses serpentines, c'est basé sur une chorégraphie proposée par Loewy Fuller. Et en fait, Loewy Fuller avait développé cette danse pour le plateau. Elle était tellement à la mode qu'il y avait énormément d'imitatrices qui ont été filmées en Amérique, en Espagne, en France, etc. Donc on a une vraie archive de films de danse serpentine. Et tout de suite, on va voir qu'il y a une vraie collaboration entre ce nouveau médium du cinéma et de la danse. Je voulais juste souligner que même le mot qui sort à cette époque, cinématographe, ça veut dire écrire le mouvement. Et donc on a la danse, le cinéma, deux formes d'art de mouvement et deux formes d'art qui sont très, très occupées par la représentation de l'espace et le temps. Et je vais vous partager une danse serpentine. C'est muet, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce court-métrage que nous venons de voir par rapport aux images que nous avons vues ce soir, des projets un peu plus contemporains? Qu'est-ce qu'il y a de marquant dans ces images de danse serpentine? Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Peut-être une autre question. Que fait la caméra dans ce film? Voilà, exactement. C'est une caméra qui est plantée, qui ne bouge pas. Par contre, il y a bien des mouvements, et je ne parle pas uniquement des gestes de la danseuse. Quelle forme de mouvement voit-on à l'écran? Voilà, la couleur. C'est vrai que les images ont été colorées à la main à l'époque, et en fait, c'était un effort, en quelque part, de reproduire l'expérience d'un spectacle live de Loewy Fuller, parce que c'est elle la grande innovatrice de la lumière en couleur. Donc pour elle, la création lumière était essentielle dans ses spectacles. Mais là, on voit qu'il y a une autre dimension. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la lumière projetée de la même façon, c'est un choix artistique
de la part de la personne qui a coloré le film à la main. Parce qu'il faut choisir la durée de chaque couleur, à quel moment la nouvelle couleur va arriver. Et ça va changer notre rapport avec la danse. Souvent, on parle de la représentation ou comment on navigue le poids dans la danse, par exemple. Et la couleur, ça va changer notre rapport avec le poids de la danseuse et son corps et ses représentations. Donc, on voit tout de suite avec ce film, très tôt, qu'il y a une interaction assez impressionnante entre le cinéma et la danse, qui va changer notre regard sur la danse. Ce n'est pas la même expérience que d'être dans une salle de spectacle, et ce n'est pas tout simplement une captation fidèle, parce qu'il y a quand même les choix artistiques quant à la représentation de l'image, de sa temporalité, etc., surtout par rapport à ses choix de couleurs. Voilà, donc j'avais déjà noté que c'était un phénomène international, les danses serpentines. Et juste pour vous donner une petite idée des grands noms en cinéma, on voit que les frères Lumière, Thomas Edison, Méliès, Alice Guy, Segundo de Chomón ont tous réalisé leur propre danse serpentine d'une façon différente, avec des petites différences de costumes, de couleurs, etc. Là, on voit plusieurs couleurs à la fois, par exemple, sur l'image. Ça, c'est le film... Malheureusement, on ne connaît pas qui est le réalisateur, mais c'est un film italien qui a repris les danses serpentines. Et puis pendant cette période très tôt en cinéma, il y a un vrai avancement technologique en termes de ce qu'on fait. Vous avez noté qu'il n'y avait pas de montage dans ces premiers films de danse serpentine. Voilà, la caméra n'a pas trop bougé, et il n'y avait pas de montage. Donc c'était en fait les plans séquences, dans le sens où il n'y avait pas de changement, de coupure, etc. Mais là, on voit très tôt, avec l'arrivée de Georges Méliès, qu'il y aura énormément d'avancement en termes de trucage au cinéma. On voit les effets spéciaux émergent, et ça va aussi toucher la représentation du corps et la représentation de la chorégraphie. Je vais vous montrer un petit extrait d'un film qui s'appelle Le Cakewalk Infernal de 1903. Et dans ce film, on va voir un corps qui ne peut pas exister hors la pellicule. L'arrivée du diable. On voit certains des premiers effets spéciaux et on voit un corps qui est coupé en plusieurs parties, qui fait partie de la chorégraphie du film et qui serait impossible de réaliser sur le plateau, ou de toute façon d'une autre façon, parce que ce ne serait pas la même danse, le même corps. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on continue à voir dans la vidéodance aujourd'hui, les chorégraphes qui peuvent se reproduire à la volonté avec la démultiplication du corps, ou qui peuvent couper certaines parties du corps pour les isoler et pour vraiment se concentrer sur certains aspects du corps.
Et maintenant, on entre vraiment dans la matière de la vidéodance, ou ce qui précède la vidéodance au milieu du XXe siècle. C'est une figure fondatrice pour la vidéodance ou la cinédance. Elle s'appelle Maya Deren. C'est une artiste qui est née en Ukraine, mais qui a vite immigré avec sa famille à New York et qui a commencé à tourner des films pendant les années 40. Et Maya Deren, c'est la première artiste qui a consacré sa vie, sa carrière à la création chorégraphique pour l'écran. C'est-à-dire Maya Deren ne chorégraphiait pas pour le plateau, elle a créé uniquement des films qu'elle tournait elle-même, qu'elle chorégraphiait elle-même ou parfois en collaboration avec d'autres artistes, et elle a également monté ses propres films. Et elle était non seulement artiste créatrice, elle a été également théoriste, qui nous a laissé pas mal d'écrits sur ses pratiques de création chorégraphique pour l'écran. Donc elle a parlé vraiment d'une chorégraphie créée spécifiquement pour l'écran. C'est la première fois qu'on entend parler de la chorégraphie pour la caméra, par exemple. Et elle parle d'un film, ou d'une danse, pardon, qui ne peut pas exister hors la pellicule. Elle parle également d'un pas des deux entre sa caméra, parce que souvent elle filmait elle-même avec une petite caméra à l'épaule. Elle parlait d'un pas des deux entre sa caméra elle-même et l'interprète devant la caméra. Et elle a tourné un film manifeste en 1945 qui s'appelle « Une étude en chorégraphie pour la caméra ». Ce n'est que 2 minutes et demie, mais je pense qu'on voit très tôt ce qui est possible avec une vraie chorégraphie conçue pour l'écran. Et on va en discuter après, mais je vais vous montrer le film d'abord. C'est un film muet également. Donc ça, c'est une étude en chorégraphie pour caméra. Il y a d'autres films réalisés par Maya Deren. Ils sont tous des courts-métrages qui sont souvent disponibles sur YouTube. Il faut juste faire gaffe parce que souvent, ce sont des films muets et d'autres groupes de musique ont tenté de composer une bande sonore pour le film. Donc, vous ne voyez pas forcément le film avec le son conçu par Maya Deren, mais vous pouvez accéder à ces courts-métrages assez facilement sur YouTube.
Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce film? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé tout de suite avec cette création pour l'écran? Soyez pas timide. Ça peut être en termes de tournage, en termes de montage, le rythme, la chorégraphie elle-même. Tout à fait. Oui, je pense que ça souligne cet aspect d'approche de pas des deux, entre les deux, tout à fait. Et en pas des deux, bah, je pense que ce n'est pas trop... c'est assez essentiel, mais avec le mot pas des deux, qu'est-ce qu'on entend? De faire quelque chose à deux qu'on ne peut pas faire tout seul. Et je pense que là, avec la caméra, notamment à la fin, quand il y a le grand jeté, en fait plusieurs grands jetés qui sont montés voilà, dans la post-production, on voit que c'est presque comme si la caméra portait le danseur, comme si on faisait quelque chose avec la caméra qui ne serait pas possible pour le danseur toute seule. Donc pour moi, il y a vraiment cette représentation de pas des deux dans la chorégraphie elle-même, comme vous l'avez mentionné. Tout à fait. Ah oui, très très bien vu, effectivement. On parle souvent, par exemple, avec les captations de la caméra au service de la danse, pour documenter la danse. Mais là, en fait, il y a le côté interactif. Et c'est ça qui est vraiment essentiel, en fait, c'est fondamental dans la création contemporaine en vidéo danse, que la caméra fait partie de cette danse, que le montage aussi fait partie de cette danse, qui a une vraie interaction. Et bien sûr, parfois, ça peut compliquer les questions d'identité, de la composition artistique. Par exemple, qui est le chorégraphe? Qui est le réalisateur? Si la caméra joue autant un rôle dans la création chorégraphique, le montage aussi. Le montage, c'est ça qui va nous donner l'image finale de la chorégraphie. On peut changer énormément ce qui a été tourné pendant le processus de monter un film. Donc ça veut dire que la personne qui s'occupe de la montage va être co-chorégraphe en quelque sorte, s'il s'agit d'une personne différente qui n'a pas chorégraphié les gestes qui ont été tournés initialement. Donc Maya Deren a toujours insisté sur ce côté interactif de ses créations. On voit quelque chose d'autre qui est très novateur dans ce film pour l'époque, c'est la transposition de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a une danse, une même chorégraphie, mais qui se déroule dans plusieurs environnements et qui continue d'une façon assez fluide. Par exemple, dans les bois, on voit que le danseur lève la jambe. Et en fait, quand la jambe descend par terre, c'est à l'intérieur de l'appartement de Maya Deren. Donc c'est grâce au montage qu'on peut vraiment déplacer la danse dans plusieurs environnements différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à voir aujourd'hui dans la vidéodance contemporaine. On voit aussi à cette époque que la caméra commence à vraiment voyager. Il y a des petites caméras. Maya Deren travaillait avec une petite Bolex. Elle n'a pas trop travaillé avec beaucoup de dispositifs. En fait, elle tenait à l'épaule ou à la main sa caméra qui nous a fait entrer dans la danse, même quand elle a travaillé sur un film qui est souvent catégorisé en tant que documentaire. Et ça, c'est un film qu'elle a tourné à Haïti. En fait, elle n'a jamais monté le film. Elle est décédée avant qu'elle a pu monter le film. Mais en fait, elle pratiquait ses rituels dansants et elle nous fait entrer au sein de ces danses, même si ce sont, on peut dire que c'est un film documentaire, ethnographique, etc. En même temps, il y a un côté de création chorégraphique pour l'écran, parce qu'elle-même, elle danse et elle transmet toutes ses sensations somatiques avec sa caméra. Et aujourd'hui, on parle beaucoup en vidéodance de la caméra somatique, parce que justement, il y a une identité d'un corps attaché à la caméra qui se transmet. Comme son nom l'indique. On parle aussi de la transmission kinesthétique. C'est ça qui intéresse beaucoup d'artistes en vidéodance d'aujourd'hui,
la possibilité de vraiment transmettre certaines sensations grâce au mouvement de la caméra. Est-ce qu'on peut vraiment provoquer quelque chose dans le corps du spectateur? Et c'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui, parce que souvent il y a des personnes qui disent « Oui, mais le corps disparaît. Si je ne vois pas de corps à l'écran, est-ce que c'est de la danse ?» Donc en fait, la vidéo danse, c'est vraiment quelque chose qui met en question notre définition de la danse aujourd'hui et de la chorégraphie. On parle par exemple de la chorégraphie élargie, des pratiques de chorégraphie élargie, et certains artistes en vidéo danse s'identifient avec cette idée de chorégraphie élargie parce que c'est leur expérience de la caméra somatique, de danser avec la caméra, de vouloir transmettre avec les stratégies de danse, les stratégies chorégraphiques, mais derrière la caméra, en collaboration avec les outils audiovisuels. Et c'est la même chose pour certains artistes qui pratiquent du montage. Parce que là, il y a de plus en plus de chorégraphes qui s'intéressent à monter leur propre film. Justement parce qu'il y a cette question de qui est le chorégraphe, si ce n'est pas le chorégraphe de tournage qui monte le film et qui donne vraiment l'image finale de la chorégraphie. Et c'est quelque chose qui continue à se développer à la fin du XXe siècle. Je reviens là sur Merce Cunningham, mais pendant les années 60 et 70, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les caméras vidéo qui arrivent sur le marché. Et Merce Cunningham commence à collaborer avec des artistes en art vidéo. Et là, on voit qu'il y a un corps incrusté dans d'autres images. Et c'est une première pour la vidéo danse à cette époque, de pouvoir mélanger, de travailler avec des fonds différents, mais aussi la profondeur du champ grâce aux images incrustées de ce type. Autre tendance que je souhaiterais aborder, c'est la création de ce qu'on appelle en vidéo danse les micro-chorégraphies. Parce qu'avec la caméra qui peut avoir une telle proximité aux interprètes, on peut commencer chorégraphiquement à explorer des petits détails du corps qui sont très très difficiles à transmettre sur le plateau, c'est-à-dire les mouvements des muscles, des petits aspects de la peau, des mouvements de respiration, tous ces détails que la caméra peut capter et que les chorégraphes peuvent explorer dans leur création pour l'écran. Donc par exemple, on a l'exemple de Yvonne Reiner qui a réalisé le Hand Movie de 1966. Elle était à l'hôpital, elle était malade, elle ne pouvait pas se déplacer, mais elle avait envie de créer. Et donc elle a filmé sa main, elle a créé une danse pour une seule main. Mais aujourd'hui, plus récemment, on voit qu'il y a des artistes chorégraphiques en vidéo danse qui emploient les micro-chorégraphies aussi pour vraiment parler d'un rapport à l'environnement, de nous parler de l'écologie, de parler de la place du corps dans ces environnements. Donc là, on a une chorégraphe d'Islande qui se met à côté des poissons en train de sécher là. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la question des droits d'animaux. Elle se met dans ce placement-là pour faire une comparaison avec son propre corps et ceux des autres créatures vivantes, qui ne sont plus vivantes d'ailleurs sur cette image-là. Et ceci aujourd'hui est surtout grâce aux outils mobiles, numériques, et justement parler de caméra somatique qui devient de plus en plus accessible aux artistes chorégraphiques grâce aux petits dispositifs qu'on peut même porter sur le corps. On peut travailler avec les smartphones, mais aussi les GoPro, les tablettes, etc. On réalise des images de très bonne qualité aujourd'hui sur certains de ces dispositifs, et ça nous permet aussi de vraiment voir en fait comment on peut porter un regard somatique à l'image. Donc à la différence d'une caméra classique qui était assez lourde et compliquée à déplacer, là on a les tout petits dispositifs qui peuvent peut-être capter certains rythmes, certains gestes corporels qui n'étaient pas possibles à l'époque à cause de la technologie disponible.
Donc là, vous voyez quelques images des stages que j'avais animés où il y avait des danseurs qui souhaitaient travailler avec les tablettes. Et je vais juste vous montrer une image d'un projet, encore une anecdote, mais qui parle bien, je crois, de l'expérience en vidéodance d'aujourd'hui. C'était pour un projet porté par la Maison de la Danse à Lyon. Et moi, j'étais animatrice invitée. Et avec une artiste, Gemma Iglesias, qui tournait une vidéo danse, nous avons vu que, en fait, le technicien qui faisait partie du projet, qui a été désigné par l'équipe du projet, en fait, avait un peu du mal à réaliser les mouvements de la caméra que la chorégraphe souhaitait. En fait, elle voulait un certain rythme assez précis. Elle voulait travailler avec ce lieu architecturel. Elle voulait qu'à un moment donné, la caméra tourne rapidement autour de cette rampe. Et ce n'est pas la faute du technicien, mais il n'avait pas cette sensibilisation corporelle. Ce n'était pas possible pour lui de répliquer ce qu'elle souhaitait faire avec la caméra. Donc, à un moment donné, on le voit là, en fait, il est assez debout, il a le pied, la caméra sur le pied, donc il s'appuie beaucoup sur ses dispositifs, etc. Et finalement, on a conseillé à Gemma, l'artiste, de prendre la caméra en main elle-même et de tourner ses images elle-même. Parce que qui de mieux pour répliquer le rythme souhaité, la chorégraphie souhaitée avec de la caméra. Donc c'était une première pour elle, mais elle était contente des résultats. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de danseurs qui commencent à tourner aussi. Là, je vous montre quelques images de vidéodance contemporaine. Ce sont cinq projets très différents et on voit que la représentation du corps est très modifiée. Il y a un choix de couleurs intéressantes. Parfois, il y a des parties du corps qui deviennent floues. Il y a les parties du corps qui sont isolées, démultipliées, etc. Il y a énormément de possibilités. Mais souvent, on me pose la question, oui, mais le corps, ça disparaît. Je ne crois pas que le corps disparaisse, je pense que c'est une autre façon de regarder et vivre l'expérience corporelle. Il y a toujours un corps derrière la caméra, il y a toujours un corps qui a conçu ces représentations, même si ça ne ressemble pas à la danse scénique. Et justement, dans un texte assez fondateur pour les études en vidéodance, en 2008, il y a une chercheuse assez connue qui est la fondatrice de la revue internationale de vidéodance qui a posé la question, la vidéodance a-t-elle besoin de ressembler à de la danse? Et je pense que pour ma part, je vois que depuis la naissance du cinéma, on peut voir que le cinéma changeait notre regard sur la danse. On voit qu'il y avait cette interaction entre la cinématographie, que ce soit le changement de couleur qui changeait la représentation corporelle, la possibilité de séparer les parties du corps, les plans qui ne sont pas forcément possibles dans une salle de spectacle. Donc je pense que tout à fait la vidéodance continue à pousser un petit peu notre réflexion concernant ce qui est la chorégraphie, ce qui est la pratique de la chorégraphie aujourd'hui, à côté d'autres artistes scéniques qui s'interrogent aussi concernant la chorégraphie élargie, ce qu'on entend par la danse. Voilà, on parle souvent aujourd'hui d'un regard chorégraphique. Je ne sais pas si on peut séparer la chorégraphie de la danse. En tout cas, ça c'est un débat qui risque de nous garder ici pendant plusieurs jours, au moins, je crois. Mais en tout cas, c'est important de savoir qu'il y a des chercheurs qui emploient ce terme-là, regard chorégraphique. Est-ce que la caméra nous permet de poser un regard chorégraphique, que ce soit sur les corps humains, sur les corps hybrides? On voit à droite une image d'une artiste qui mélange les corps humains avec les logiciels d'animation qui permettent de créer des créatures hybrides dans ses films. On a également les chorégraphes danseurs qui commencent à travailler avec les images d'archives en vidéodance. Donc là aussi, on peut poser la question d'un regard chorégraphique. Est-ce qu'on peut redécouvrir certains gestes dans les images d'archives? Ou est-ce qu'on peut porter un regard chorégraphique sur les objets,
sur les scènes de la vie qui ne ressemblent pas forcément à la danse scénique. Là, on a deux images très différentes d'un projet de Becky Edmonds, une artiste britannique qui a créé un projet de vidéodance qui s'appelle « To be continued », du found footage, ou les images retrouvées. Voilà. Je ne sais pas comment ça va avec le temps. Ah oui. J'allais vous parler un petit peu des dispositifs et de coopération internationale dans le monde de la vidéodance aujourd'hui, mais je pense qu'il est préférable de laisser peut-être un peu de temps pour les questions, parce que j'ai dû vite faire pour couvrir pas mal d'approches de création en vidéodance et de danse à l'écran. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné une petite idée de certaines approches à la création d'aujourd'hui et que ça vous donne envie peut-être de regarder davantage de création en vidéodance. Alors justement, il y a une question de Pablo sur YouTube. Donc, j'aimerais savoir si Marisa connaît des exemples de projets de danse qui utilisent des caméras en direct lors d'une représentation en direct. C'est-à-dire le public assiste donc au spectacle en direct et aux éléments filmés, tout cela en même temps. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aujourd'hui, les danseurs qui jouent avec les caméras sur le plateau, que ce soit pour capter un aspect de la danse en détail sur le plateau en live, ou pour jouer avec le public aussi. Par exemple, je viens de voir la 5e saison de Christian Hubel, pour lequel il y a un interprète sur le plateau avec un smartphone qui capte le public. En fait, il y a un interprète sur le plateau qui donne des indications gestuelles au public, dont tout le monde est debout dans la salle, on fait des petits gestes accessibles, et un interprète qui inverse le rôle en fait du public et d'interprète. Et donc ensuite, pendant le reste du spectacle, ces images captées du public sont projetées en arrière-plan tout au long du spectacle pendant que les interprètes dansent. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a d'autres exemples de danseurs qui se cachent, qui se filment sur le plateau et on ne voit que les images. Il y a énormément de projets en ce moment. Oui, en théâtre aussi, il y a beaucoup de pièces où on produit des images avec des caméras en direct et le public regarde en même temps ce qui est produit en images. Oui, tout à fait. Et c'est très répandu dans le monde de l'opéra aussi. Et il y a à la fois les courts-métrages qui sont créés pour être projetés en arrière-plan pour le spectacle, en interaction avec le spectacle live. Mais il y a aussi les images en direct. Voilà d'où vient cette question, je crois, par rapport aux transmissions directes. Et du coup, ça me fait penser aux nouvelles technologies qui produisent aussi des images du coup par l'informatique et qui intègrent aussi beaucoup ce côté de production d'images, bah, puisqu'on parle en direct par exemple le projet de Cloud Dancing ou voilà, un projet immersif qui produise où la caméra produit ses images en direct. Oui, oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus d'applications très accessibles. Donc, il y a même les jeunes créateurs qui ne savent pas qu'ils sont en train de créer des vidéodances. Mais je suis convaincue qu'il y a des milliers de vidéodances créées chaque jour par les jeunes avec leur smartphone, avec toutes les applications assez artistiques de montage, des effets, etc. Oui, mais c'est intéressant de savoir que ça touche à la fois le monde professionnel de la création, mais ça encourage aussi une pratique amateur. Et je me demande, quand les deux se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va de plus en plus dans ce sens-là, de faire une rencontre entre une pratique amateur auprès du public, ou comment on peut même faire la distinction aujourd'hui entre les deux? Les frontières sont assez poreuses et en mouvement. Du coup, dans ces productions de danse à l'image, elles sont diffusées par quel biais en fait? On connaît la danse pour plateau, donc on sait que ça, on rencontre les œuvres dans les théâtres ou in situ, selon les formats. Mais du coup, ce réseau, par exemple, le festival que tu as mis en place, il s'organise comment et... Oui, c'est une très bonne question parce que souvent on me demande où est-ce que je peux voir de la vidéodance. Il y a énormément de festivals internationaux de vidéodance aujourd'hui, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Je dirais que pratiquement chaque pays
dans sa capitale ou dans une grande ville a au moins un festival, sinon plusieurs. Dans notre cas, avec Franck Poulet, j'ai cofondé notre festival international de vidéodance de Bourgogne en 2009 parce que je trouvais que dans la région, il y avait très peu de possibilités d'accéder à la vidéodance. Donc c'est une plateforme annuelle. Nous avons également une page contributrice sur le site de Numéridance qui est consacrée uniquement à la création vidéodance. Ça, c'est important pour vraiment démocratiser l'accès à la vidéodance. Aujourd'hui, on a d'autres festivals de vidéodance en France. Il y a un festival à Saint-Étienne, il y a un festival à Bordeaux, Panorama Vidéodance. Voilà. Mais sur le plan international, il y a énormément de festivals qui sont spécifiquement pour promouvoir la vidéodance. Sinon, c'est compliqué parce que d'un côté, il y a énormément de possibilités. Il y a les festivals de films qui proposent des catégories de courts-métrages, de films expérimentaux. Il y a les expositions d'art vidéo où on peut trouver aussi de la vidéodance. Donc, c'est très ouverte, mais parfois, c'est compliqué parce que en tant qu'artiste en vidéodance, on ne sait pas forcément où commencer. Et donc les artistes ont parlé justement, qui signe ses œuvres, est-ce le chorégraphe, est-ce le vidéaste? Bon, évidemment, j'imagine que c'est plutôt le vidéaste, ou est-ce que c'est les deux qui produisent ces films-là, en fait, ces films de danse? C'est très variable selon le projet. Comme je l'ai mentionné, il y a de plus en plus de danseurs chorégraphes qui sont également les réalisateurs, les monteurs de leurs propres films. Mais on a aussi toujours les compositions d'équipe un peu plus classiques, je dirais, où chacun a son métier, le métier de chorégraphe, le métier de réalisateur, cadreur, monteur, etc. Donc c'est très variable. On a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que je connais des cas où c'était problématique, justement, ces questions qui font toujours débat pour certaines équipes artistiques. Donc, si à l'avenir, vous tournez une vidéo danse, je vous conseille vivement de discuter parmi vos collaborateurs avant de vous lancer dans l'aventure de création. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit. Le regard de la caméra sur une chorégraphie, effectivement, quand c'est travaillé et que ça devient subjectif, ça devient autre chose, en fait, par rapport à la chorégraphie. Je pense on a parlé de Cunningham, par exemple, qui fait des chorégraphies après une version pour la caméra qui devient une autre œuvre. Mais de manière plus immédiate, c'est peut-être... certaines vidéos de danse qui ne sont pas tout à fait des captations, comme je pense à comment s'appelle cette pièce de Boris Sharmatz, où c'est sur trois étages. Attention. Et donc la vidéo de danse qui existe porte un autre nom, parce que voilà, c'est pas une simple captation de cette pièce qui s'appelle Ascension, du coup, la vidéo. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des adaptations cinématographiques. À l'instar de, par exemple, ce qu'on a vu à la fin des années 90, au début des années 2000, avec des créations réalisées pour la télévision par Thierry Demey, Interessa de Kirchmacher, ce sont les œuvres phares de la chorégraphe, mais qui ont été totalement déplacées dans un autre lieu pour être filmées. Il y a un vrai travail de la caméra et du montage qui change entièrement notre expérience de cette chorégraphie. Rosas, c'est l'exemple la plus connue, mais il y a Phases et d'autres exemples de ces films. Il y a aussi Philippe Découfflet qui s'intéressait énormément à la vidéodance, notamment pendant les années 80-90. Donc à l'époque, on parlait régulièrement des créations pour la télévision parce qu'il y avait un certain succès de ces chorégraphes, donc c'était un choix sûr pour la télévision, mais aussi une volonté de diffuser plus largement, de donner accès à ces œuvres, mais différemment, parce que ce sont bien les adaptations de télévision cinématographique. Et comment tu fais la sélection du festival, du coup, comment les artistes candidatent
Ah, c'est une très bonne question, oui, parce que chaque année, on reçoit plus de 1000 courts-métrages du monde entier. Donc, effectivement, ça représente beaucoup de travail. Et voilà, on ne peut pas, malheureusement, donner un bon résultat à chaque candidat, même s'il y a beaucoup plus de travail passionnant qui mérite d'être vu que nous avons le temps de diffuser durant notre festival. Donc, pour notre part, bien sûr, on essaie vraiment de saisir les œuvres récentes qui donnent quelque chose de nouveau, mais qui sont des œuvres vraiment intéressantes artistiquement, mais aussi qui représentent une variété d'approches. Parce que, voilà, avec les soirées composées, on souhaiterait vraiment proposer au public un ensemble d'approches différentes, que ce soit du point de vue chorégraphique ou cinématographique. Il y a aussi la géographie, la diversité de la géographie qui nous est importante aussi de représenter ce qui se passe dans le monde entier. Nous faisons attention à certaines questions de société et de représentation aussi qui nous sont importantes. C'est intéressant de savoir peut-être qu'en vidéodance, il y a beaucoup plus de réalisatrices que dans le cinéma narratif. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir toutes ces voix différentes représentées pour voir ce que ça nous transmet, quelle expérience ça donne à notre public. Et pour les œuvres que nous ne pouvons pas accepter pour le festival, pour une raison ou l'autre, pas forcément en lien avec la qualité, on garde toujours trace des candidats parce qu'on est souvent demandé de programmer d'autres événements. Parfois, on travaille avec certaines thématiques. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette base de données afin de continuer à promouvoir la vidéodance et de diffuser le travail des artistes. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, ça tombe bien parce que c'est l'heure, donc on va peut-être, avant qu'on se laisse, peut-être oui, rappeler que voilà, vous pouvez aller sur la chaîne du Festival Vidéodance Bourgogne qui est hébergée dans Numéridance. Vraiment, il y a des heures et des heures de visionnage. Vous verrez des vidéos danses très différentes les uns des autres, de style. Voilà, certains plus axés sur la chorégraphie, d'autres plus sur la caméra, enfin vraiment c'est très très varié, il y a un éventail d'esthétiques voilà, très très différent qui regroupe voilà, ce grand panel de danse à l'image. Ben, merci beaucoup Marisa. Merci à toi, merci à toute l'équipe et puis ben, merci à vous tous d'être assistés à cette conférence. Bonne soirée.